Moi, en tous les cas, j'applique la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Et je ne peux pas aller au-delà de la loi. Or, sur les adultes, par exemple, comment vais-je, moi, affirmer qu'ils partent, parce que généralement, ils partent pour la Turquie, pour aller se battre en Syrie? J'en sais rien. Il y a plein de Belges qui vont en Turquie pour des vacances. Que voulez-vous que je vous dise? Vous n'avez pas peur d'apparaître un petit peu en retrait sur cette question-là, avec non, des propos? Je pense que ce qui est surtout très important, c'est d'arriver à parler le plus rapidement possible avec les familles concernées. Parce que qu'est-ce qui nous choque le plus? Ce sont les mineurs, évidemment, qu'on retrouve dans des situations où ils risquent leur vie sans peut-être toujours véritablement bien comprendre ce que cela représente. Et on sait que certains ont effectivement perdu la vie. Et donc là, les familles sont dans un désespoir extraordinaire. Pour le reste, si le pouvoir fédéral, si le pouvoir législatif me donne des moyens spécifiques pour faire des interventions, moi je les appliquerai. C'est évident qu'il faut appliquer la loi. Ça, c'est un des rôles du bourgmestre. Il y a combien de Bruxellois qui seraient partis en Syrie? Est-ce que vous avez un chiffre? Nous, on a rencontré une petite 6 familles. Six familles. Oui, 6 familles. Ouais.